Salut à tous, c'est Élevage et Passion du Sud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, petite vidéo, ça va être une vidéo nouveaux arrivants, voilà. Donc tout d'abord, les cygnes, ils vont super bien, voilà, donc il y en a un ici et l'autre ici. Donc en nouveaux arrivants, tout d'abord, il y a une petite femelle sarcelle hottentote qui vient de chez l'élevage avicole de Matisse, voilà, c'est un super pote, super gars, il a vraiment de super belles bêtes. Donc voilà, donc en fait, si vous voulez, j'avais acheté un petit mâle, et du coup, comme il n'en avait pas, je lui avais acheté un petit mâle. Et du coup, ben, je lui ai amené hier, et lui m'a donné une femelle comme il avait deux femelles. Voilà, donc je suis super content. Après, je lui ai acheté un couple de pilés des Bahamas argentés, voilà. Donc je suis super content aussi, enfin, qu'il était allé me chercher, voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner à son compte Instagram, élevage avicole de Matisse, super. C'est un super élevage, je suis sûr que si vous pouvez lui demander des conseils quand il aura fait son compte Instagram. Il est vraiment super sympa, donc n'hésitez pas. Donc du coup, ben, on est on espère tous les deux qu'on va pouvoir se revoir bientôt assez vite pour pouvoir tourner ensemble. Et puis, comme on est amis, pour pouvoir passer quelques jours ensemble. Donc voilà. Donc aussi, en nouveaux arrivants, il y a une femelle siffleur du Chili juste ici. Enfin, un couple de siffleur du Chili, la Canela. Voilà, donc elle est baguée jaune. Baguée vert, je veux dire, donc ça veut dire qu'elle est née l'année dernière, donc elle aura 2 ans l'année prochaine. Lui, il est bagué jeune, donc il aura 3 ou 4 ans l'année prochaine. Donc voilà, donc sinon tout le monde va bien. Donc les pilés des Bahamas argentés, je trouve, ils sont vraiment magnifiques. Donc après, il n'y avait pas que ça que je suis allé chercher chez l'élevage avicole de Matisse. Voilà, je vais aller aussi récupérer des canetons, voilà, qu'il est allé me récupérer chez un éleveur. Donc voilà, donc je vais aller vous les montrer. Voilà, voilà, donc je les ai installés ici, là où il y avait les cailles, parce que j'ai vendu toutes les jeunes, voilà, donc là, ils ont à boire ici, à manger là, un petit peu, ça va. Donc voilà, les autres nouveaux arrivants, donc voilà, il y a 10 canetons, voilà, donc il y a 4 mandarins blancs, un ici, un ici, un ici, un ici, après tous les autres, c'est des petits carolins, donc voilà, donc sûrement que je garderai un couple de mandarins blancs, donc enfin, le couple de mandarins blancs, c'est sûr, dans les petits que j'en garderai un. Et après, je pense que je garderai un couple de carolin. Voilà, voilà. Donc, Matisse m'avait donné des bagues de concours. Donc, j'ai tout bagué concours parce que là, je suis en train de m'inscrire à une association avicole. Donc, voilà. Donc, je vais m'inscrire avec Matisse. Comme ça, on ira faire des expos ensemble. Donc, voilà. Et donc, je vous mettrai quelques vidéos sûrement des fois d'expos. Donc, voilà. Donc, du coup, ben. Donc, du coup, voilà. Et donc. Donc voilà, donc je suis super content de mes nouveaux arrivants. Donc après, du coup, il va me manquer en nouveaux arrivants un mâle sarcelle hottentote et un couple de carolins argentés. Donc voilà, donc le couple de carolins argentés, on a eu un petit problème, donc il arrivera qu'en septembre octobre. Et le petit mâle sarcelle hottentote, je sais pas encore, mais c'est dans pas très longtemps. Donc voilà, donc pour ceux qui vont me dire, je sais très bien, il y en a qui vont me dire « Ouais, ton bassin, il est trop petit, et tout ça, tout ça. » Jamais signe pour l'instant, ils ont la place de nager. Donc voilà. Et donc, les canards, ils sont quasiment jamais dans l'eau. Donc là, enfin, ils y sont, mais pas tout le temps. Donc voilà, donc pour ceux qui disent ça, je le sais. Donc pas besoin de mettre de commentaires bidon là, ça sert à rien. Parce que je répondrai pas. Parce que je sais très bien que... Donc désolé, ça a coupé. Donc je disais que... que je le sais, que le bassin n'est pas assez grand. Donc voilà, donc en fait ça va pas, on va pas supprimer cette barrière là, on va pas agrandir là-bas, en fait on va agrandir ce parking, donc on va détruire cette barrière là, on va agrandir vers là-bas. Donc la mare va bien faire 40 mètres carrés. Donc voilà, donc après on va faire plein d'aménagements et tout ça. Donc ce sera super pour les cygnes comme les canards. Donc voilà. Donc je vais vous laisser quelques petits plans des canards et des cygnes. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.